Bonjour les amis. Alors vous vous rappelez peut-être une de mes vidéos qui faisait appel aux hommes de bonne volonté. J'avais pas eu beaucoup d'hommes de bonne volonté qui se sont associés à ce message. Aujourd'hui, la donne change. Vous avez ici aux États-Unis Monsieur Biden qui a mis comme cheval de bataille la lutte contre le cancer, et bien sûr, Monsieur le Président Trump qui réenchérit. En fait, de ce fait, parce que mes sociétés ont été créées, Survivre au cancer en France et Survive from Cancer aux États-Unis, ces sociétés vont aujourd'hui faire ce qu'on appelle aux États-Unis du lobbying, à savoir essayer de faire entendre notre voix pour qu'on soit pris en considération et que le vainqueur respecte sa parole qu'il va nous donner. Alors pour ce faire, une fois de plus, je demande aux hommes de bonne volonté de nous rejoindre. J'appelle particulièrement Monsieur Laurent Schwartz, qui a des traitements qui pourraient sauver beaucoup, beaucoup de monde. J'appelle le professeur Henri Joyeux, qui lui aussi, dans la même image, pourrait aider avec toutes ses connaissances, avec tout ce qu'il a déjà fait en France, pourrait aider. J'appelle tous les autres oncologistes français que je ne connais pas, ainsi que ceux que je connais. Docteur, professeur Malouf à Strasbourg, je vous demande de nous rejoindre. Nous allons essayer de faire changer les choses. Dans une autre vidéo, je vous mettrai la liste de ce que nous voulons arriver à réaliser. Mais dans un premier temps, je peux simplement vous dire, voilà, changer la vie de ceux qui sont incurables et que on laisse plus ou moins mourir dans les hôpitaux français en ne leur donnant pas la nourriture qu'ils ont besoin au lieu de leur donner la nourriture qui aide le cancer. Je dis n'importe quoi. Vous m'avez compris. Aux États-Unis, je fais le même appel, bien sûr ce sera en anglais, et les grands noms seront des prix Nobel, sont le professeur Thomas Seyfried, le docteur Eric Berg et bien d'autres, avec une, j'irais dire une panoplie, c'est pas comme ça qu'on dit, complète de chercheurs, de grands chercheurs, de gens qui veulent révolutionner, ce qui est ridicule parce qu'il n'y aurait rien à révolutionner, il y a simplement qu'à appliquer ce qui existe et ce qu'on sait qui marche. À cet effet, je vous le redis pour ceux qui n'ont pas entendu la vidéo, le premier des hôpitaux américains, John Hopkins, régulièrement cité comme premier sur la liste, premier prix des hôpitaux américains. Il a le prix d'excellence. Il a décidé de mettre d'autres traitements que la chimiothérapie et la radiothérapie à son arsenal contre le cancer. Dans cet arsenal, il y a maintenant des traitements métaboliques et la nourriture anti-cancer. On ne sera de loin pas seul. Alors, pourquoi je vous demande de vous joindre à moi? Quand je dis moi, c'est pas moi, hein. Je vous répète, je l'ai déjà dit de nombreuses fois, j'aimerais qu'on me remplace. Je suis en phase terminale. On me dit que mes jours sont comptés. On le dit de différentes manières.
le résultat elle-même. J'aimerais trouver des grands lobbyistes, des grands avocats, des grands professeurs, des chercheurs, des prix Nobel, de manière à me remplacer. Je veux bien rester l'exemple, je veux bien parler en leur nom. Mais ce qu'il faut absolument, c'est qu'ils soient sur la liste et qu'ils soient présents le jour où Donald Trump ou Joe Biden voudra nous recevoir. Voilà, et je sais, et vous le savez aussi, que si nous gagnons aux États-Unis, eh bien, la France va suivre, ainsi que tous les autres pays d'Europe, comme d'habitude. Voilà, je vous remercie, j'espère n'avoir pas été trop long, et j'espère surtout avoir été convaincant. Vous connaissez le email de la société française, donc vous écrivez avec votre soutien à survivreaucancer@gmail.com. survivreaucancer@gmail.com. Si en plus vous aviez des suggestions à me faire pour rajouter à la liste déjà longue de ce que sera nos doléances, ce serait encore mieux. Merci encore, au revoir, très bonne journée.